Au salon du Bourget, dans le bruit des démonstrations d'avions militaires, un engin révolutionnaire attend son heure pour effectuer un vol devant la foule des passionnés. Ce drôle d'oiseau, c'est l'Albatros, un plus lourd que l'air révolutionnaire pour son époque, puisqu'il permit le premier vol humain au monde il y a près de 140 ans. Ça, c'est un autre modèle. C'est grâce pour cet engin que Bourget, ça existe. Ça a été le premier avion qui décollait en 1856. À Treffenteck, ça a été préparé comme bateau sauvetage avec des ailes. C'est Jean-Marie Lebris, qui est un marin breton, qui fabriquait ça. Il était un grand humaniste qui voulait sauver des matelots en détresse. C'est la première fois qu'est reconstituée en grandeur réelle la maquette de l'Albatros. Sa présentation au Bourget a pour but d'obtenir des soutiens pour en reconstruire un exemplaire capable, lui, de vraiment décoller. Objectif, rééditer l'exploit de Jean-Marie Lebris, précurseur méconnu de l'aviation. Après avoir réalisé cette maquette, Yenekis poursuit un rêve vieux de plus de 20 ans, volé lui-même avec l'Albatros. C'est mon rêve, le plus grand rêve, voler avec. Premier vol ou n'importe quel moment, ça c'est un joie. Ça. Ouais.